Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas avec n'importe qui, avec les extrêmement talentueuses, les magnifiques, les sublimes. J'ai nommé les Sister Ice. Hello. Elles sont toutes gênées. Tu nous as un peu troublées, mais ça me va. Nous, on est les Sister Ice, donc on est patineuses professionnelles de roller, roller quad, roller inline et sur glace. On fait aussi de la mode, on est mannequin. Oui, évidemment, oui, on fait des photos de mode. Donc toutes ces photos, vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux. Et... dans la description, il y a moyen de vous trouver votre Instagram, le TikTok et tout ça. Comment on s'est rencontrés? L'histoire, elle est un peu marrante quand même. Oui, j'ai fait un peu de patin dans ma vie, genre 18 ans. On a fait un spectacle à Marseille pour un marché de Noël et c'était assez cocasse. Exactement, l'idée c'était de faire un spectacle de magie sur glace où il y avait aussi des patineuses. Du coup, on s'est rencontrés puisqu'on travaillait du coup pour la même agence et pour le même spectacle. C'était quand même une aventure assez particulière. Beaucoup de rires. D'émotions. Moi je me souviens d'un truc sur lequel on essaie de s'appliquer nous aussi maintenant que vous nous avez appris. Vos 9 règles, vos 8 règles. Pour, donc il y en a une 15, il y en a 15. Juste pour remettre dans le contexte, c'est les règles en tant que performeur. C'est vrai que c'est un métier qui peut être intense où ça peut donc travailler le soir, on travaille la nuit, on peut être dans déplacement pendant longtemps. C'est vrai que on peut avoir un rythme de vie qui peut être pas forcément très sain. Elles se sont donné des règles de vie où il y en a une, c'est se respecter, savoir écouter ses besoins et tout ça. T'as bien retenu en fait. Mais ça m'a fasciné en fait. T'as complètement marqué. Mais de ouf. Oui, c'est des règles de comportement en show. Voilà, des règles de bien-être. Que ce soit nous ou bien envers les autres. Et oui, à chaque projet, on tire une leçon et on l'ajoute, on la transforme en règle. Donc on en a 15 et je pense qu'il faudrait les imprimer en grand, en se faire un cadre. C'est quoi, on le fait le design? On le fait le merch, on veut le poster Sister Ice, les 15 règles. Ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais je m'y attendais tellement pas. C'est vrai? Ah, moi je me souviens, je sais, dans le train, tu nous parlais de ça. Ok, c'est cool Axel. Mais sinon, elles ont joué nos championnes de France? Every time you slam the door, I would be the richest girl alive. Life, life, if you hadn't run away. Every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. But you didn't know me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. I found your matrix and your logic. I'm a winner, babe. Ouais, je suis arrivé à ce moment-là, moi, tranquille, j'arrive, il y a deux zouzes. Tu dis rien, c'est mon cadeau de Noël, ok? Là, je suis envoyée, elle va retourner à Hawaï. On se calme, c'est juste, je suis un Potterhead et je connais pas beaucoup de gens qui ont le symbole de tout le monde, là, toutes les écoles. Je savais que c'était une mauvaise idée de faire venir Alex quand vous étiez là. Le chapeau magique, il a rien choisi, donc il t'a mis partout. Hein? Avec ta vieille veste, là, je suis mal habillée peut-être. Ouais, je porte pas le rideau de ma grand-mère, ok? On me l'a offert cette chemise. Des iguales. Elle m'allait avant quand on me l'avait offerte. Là je rentre le ventre parce que sinon ça... Il n'y avait pas la même mais en taille adulte, tu vois. Mais dis-en bien, mais pin-up quoi. Voilà. Attention. La jure, je cherche. Les idées sont dans la place. That you're an enemy I held too close. Now I know. You did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive. Alive. But you didn't know me. All you wanted was a game. Ah, mais attends votre merch là. J'attends votre merch, je finis, tu mets le petit engin là. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de la petite session là? Vous avez pu jouer à 2-3 jeux. Vous avez fait d'abord Spring Vector, un jeu de roller. Et vous avez fait aussi Robo Recall et l'escalade. Bon, Recall c'était trop bien. Voilà, j'ai aimé tuer des robots. La prochaine fois on vous accueille sur des rollers.
On vous prépare une petite choré. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Le titre va être extrêmement clickbait, les filles. Hein. Je vais mettre vos palmarès en titre. On est là pour de la vue. Et oui, c'est déjà fini. Mais si vous n'en avez pas eu assez, vous pouvez aller voir ce qui s'est passé de leur côté sur leur chaîne. D'ailleurs, je vous invite fortement à vous y abonner. Elles sont trop fortes, trop belles. En tout cas, nous, on les adore. Et n'oublie pas notre challenge. Si on arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque VR. Donc, si tu veux nous soutenir, abonne-toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.